C'est ici que va passer l'avenue du Parisis, à peu près au milieu de la prairie. En face, vous avez la ferme Le Moine. Toute cette zone, c'est un des derniers poumons de ce secteur qui est très très urbanisé. Les gens y viennent se promener le dimanche et ça va être éventré par une 2x2 voies. C'est une décision qui ne passe pas pour le collectif Vivre sans Bip. Cette association regrette la décision du conseil départemental du Val d'Oise de lancer l'enquête publique pour l'avenue du Parisis Est. Ce projet de route doit relier Bonneuil à Groslay en passant par Sarcelles ou comme ici Garges-lès-Gonesse. Une aberration environnementale pour cette association. On parle beaucoup de la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année. La COP21, c'est le sommet pour le climat. Là, ce projet-là consiste à faire circuler encore plus de voitures, donc à émettre encore plus de gaz à effet de serre, à détruire un certain nombre de zones naturelles qui, elles, sont des réservoirs de carbone quelque part. Donc ça va à l'encontre totale de la COP21 et plus largement des enjeux qui nous attendent, qui sont les enjeux climatiques, les enjeux biodiversité. On est sur un projet, encore une fois, du XXe siècle et on n'est pas du tout dans la perspective de ce qui nous attend au XXIe siècle. Dans un secteur largement urbanisé, le collectif Vivre sans Bip dénonce la pollution engendrée par une 2x2 voies. L'association dénonce un coût pharaonique pour la collectivité, 146 millions d'euros, et compte bien faire valoir ses arguments lors de l'enquête publique.